Bonjour, aujourd'hui on s'entretient avec Eric qui va nous parler du tramway. Bonjour Eric. Bonjour Françoise. J'ai plusieurs questions de citoyenne pour toi. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le tramway et sur l'accès à bord? Alors, le tramway qui circulera dans les rues de Québec sera un tramway moderne avec des rames d'une longueur de 43 mètres et d'une largeur de 2,65 mètres, qui permettra d'accueillir 260 voyageurs à l'heure de pointe en mode nominal d'exploitation. Pour l'accès à bord, contrairement aux autobus où l'accès se fait actuellement par la porte avant en passant devant le conducteur, et la sortie se fait par les portes situées à l'arrière du véhicule, l'accès au tramway se fera au travers de 8 portes doubles réparties sur la longueur de la rame, permettant aussi bien les entrées que les sorties des voyageurs de la rame. À chaque porte seront positionnés des valideurs qui permettront aux voyageurs de valider leur titre de transport. À l'intérieur des rames, des sièges d'estrapantin et des appuis-fesses seront aménagés, ainsi que des zones multifonctionnelles qui permettront l'accueil des fauteuils roulants, des tri- et quadriporteurs, ainsi que les poussettes et les vélos. Enfin, les véhicules seront conçus pour garantir le confort acoustique et vibratoire des voyageurs tout au long de leur trajet. Maintenant, peux-tu nous en dire un peu plus sur le système d'information voyageurs? Le système d'information voyageurs sera globalement assez similaire à celui déjà présent pour les autobus, à savoir des informations sur des supports fixes, dynamiques ou sonores, qui permettront de fournir aux voyageurs de l'information tout au long de leur trajet afin de les accompagner au mieux, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des rames. Ainsi, ces dispositifs permettront par exemple de fournir aux voyageurs des informations sur la direction de la rame, le prochain arrêt desservi, les éventuelles correspondances avec les autres modes de transport du réseau, ainsi que d'éventuelles perturbations sur le réseau de transport. Merci pour les précisions, Eric. Merci de nous faire découvrir un peu plus le tramway. Bienvenue.